Fucking attends, je vais zoomer. Tournez à droite pour rejoindre la route boulevard de la Seigneurie Ouest, puis rejoignez l'autoroute autoroute des Laurentides. Hey vlog, donc aujourd'hui, je suis en conférence à Trois-Rivières au Bropocalypse de Alexandre Busque de Momentum Magelé. Et c'est ça, fait que je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe là. Je viens d'arriver, je l'ai collé à 6h30 ce matin, à Trois-Rivières, donc il est 8h30 et dans le fond ça commence à 9h, donc j'étais un peu dernière minute, mais bon, j'avais pas pris en considération qu'il allait avoir un peu de mauvais temps, donc on se voit dedans. Bonjour tout le monde, bienvenue, salut Simon. Salut Simon! Bienvenue à cette première édition du Bropocalypse. Mesdames et messieurs, donc, premièrement, merci à Alex d'avoir organisé ça. Je pense qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement. Ouais, Alex. C'est pour toi, là. Alright, donc, comme je dis, je m'appelle Jacques Lavelle, je suis propriétaire d'Entraînement Quantum, ça fait 10 ans que je coach des gens. Et aujourd'hui, on va parler de prise de masse et je vais vous présenter les 10 piliers d'hypertrophie. Donc, là, c'est la première fois que je donne cette conférence-là, fait que ça se peut que j'aille plus vite à certains points. Je sais pas trop comment ça va se dire. Donc, je vais raconter une petite histoire qui est mon histoire en fait. J'ai commencé à m'entraîner, j'avais 17 ans. J'ai 135 livres et j'ai gagné plus de 100 livres de masse musculaire en 10 ans. Okay. Pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai rapidement eu un plateau en entraînement et je me suis tout le temps demandé comment je peux gagner de la masse musculaire le plus rapidement possible. Ce qui m'a amené à étudier avec pas mal des tops au monde sur l'hypertrophie et faire une cinquantaine de formations et essayer plein de choses aussi. Parce que je pense que en entraînement, tu dois avoir de la théorie, mais tu dois avoir aussi de l'application et d'apprendre des choses en appliquant avec tes clients et en appliquant avec toi. Donc le syndrome d'adaptation générale, donc la première chose, ça, c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est qu'il faut que tu mettes un stress sur le corps et ensuite de ça, tu t'adaptes. Si tu mets trop de stress, ben tu t'adaptes pas, tu vas régresser. Et si tu mets pas assez de stress, tu ne feras pas de régression. Donc le premier pilier, c'est de mettre un stress sur ton corps, t'adapter à ça. Donc, c'est vraiment important de toujours garder en tête que c'est pas tout le monde qui va s'adapter de la même façon et c'est pas tout le monde qui a besoin du même stress. Une autre analogie que j'aime beaucoup en entraînement, c'est que t'entraîner pour peu importe les qualités que tu veux, c'est comme si tu veux avoir un beau tanning pour l'été. Okay? Tu vas pas te mettre 8 heures dans une cabine de bronzage et espérer avoir un beau tan. Tu vas sortir de là brûlé, right? Donc c'est la même chose pour l'entraînement. Si c'est la première fois que tu t'entraînes, tu vas faire 6 heures d'entraînement, tu vas sous-récupérer. Okay? Donc ce que tu veux, c'est une petite exposition constante à ton bronzage pour créer un effet. Une petite exposition constante, graduellement d'augmenter et d'y aller. C'est bien d'y aller à tous les jours un petit peu, d'augmenter graduellement. Arrêtez là, puis c'est incomplet. À la base, par la nature, c'est incomplet. On ne peut pas en arrière souvent avec seulement des BCA. Ben, arrêtez là, puis je vais aller plus loin. La perte de poids, c'est 80% nutrition, 20% rêve. Qu'est-ce que je dis? T'as dit que t'étais brain fucking dead. Brain fucking dead, ça s'est-tu bien passé la journée? Ça s'est vraiment bien passé, on est vraiment content. Je suis brain fucking dead. Mais heureusement, j'ai Simon Amto à côté de moi pour faire un sourire chaleureux. Sourire chaleureux, Simon. Brain fucking dead. Attends, je vais zoomer. Wow, ça c'est tout un sourire. Fait que Momentum HV, où est-ce qu'on suit ça? Momentum HV sur Facebook, sur Instagram, puis iTunes. Ouais, Momentum Show sur iTunes. Merci That's it.
Fait que Bropocalypse. Bropocalypse! That's it. C'est la finale, donc merci à tous d'avoir écouté le vlog. Puis on s'en va, braver. Oh, c'était quoi ça? Ben oui. J'ai pas de gants. Donc on joue dans le Mordor. C'est ça. J'en veux braver le Mordor. Et qui est Trois-Rivières. Fait que c'est ça, on se parle dans le prochain vlog. Merci d'avoir écouté, fais un pouce, puis partage. Ok, bye.